Ah, Leka a changé de mode, je pense. Il a pas la même gueule. Non, il a pas changé de mode. Il a juste changé d'apparat, je crois. Ils ont pas l'air d'avoir changé beaucoup de mode là. Attends, donc on va voir. Bon, l'Inarif, ça, je pense qu'il a pas bougé lui. Ah, il a quand même changé quelques items. Il a plus d'esquive PA qu'avant. Bon, je pense que c'est quand même un Inarif à feu, hein. Bon, voilà, depuis tout à l'heure, l'Inarif, ça, l'initiative, c'est la même chose, c'est normal. Leka, j'ai l'impression que c'est le même mode au final. Hein. Leka Terre depuis tout à l'heure, c'est la même chose. Hein. Et Lupermage aussi a son mode haut, comme je disais, ils ont pas dû changer. Le Kra a changé par contre, il a mis un mode retrait là, j'ai l'impression, avec le cadre en terre. L'Osamodas, il est encore terre, et le Panda, il est encore feu, très bien. Donc il y a juste l'Ini et le Kra qui ont changé quelques items, mais sinon c'est quasiment la même chose. Peut-être un mode tyrannique, peut-être, je sais pas. Avec les recrits, je sais pas trop, on verra. Bon, bah, jusque-là, rien, bien, pas grand-chose à dire, pardon. Hein, c'est les mêmes tours que tout à l'heure. Hein, on met les relais, on met les bouffe-tout, les dragons, les machins. L'Inarif, ça y boost. Leka, il va essayer d'éroder, mais là, il va un peu galérer quand même. Hein, parce que d'habitude, il érodait tour 1, mais là, je sais pas s'il va pouvoir. Ou alors, il érode le panda, mais bon, le panda, il a 5500 vitamax. Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller sur lui? Après, des fois, c'est bien d'aller sur le panda, parce que le panda, bah, t'es sûr qu'il sera pas porté par quelqu'un, en fait. Hein, Le panda, dans tous les cas, tu pourras aller sur lui, donc pourquoi pas, hein. Il va quand même aller sur le Kra, apparemment. On change pas la strat. Allez, le panda est feu. Il va peut-être balancer un Wasta, je sais pas trop. Tout à l'heure, il mettait un Wasta tour 1, mais je sais pas s'il va refaire la même chose. Il va sûrement charger son ébène avec une flasque, non? Je sais pas. Voilà, avec la flasque, comme ça fait les deux charges. Et il porte le Kra, c'est normal. On a le combo Panda-Kra, il faut l'utiliser. Hein. Le Kra, ça a toujours porté, c'est logique. Comme ça, il a pas les lignes de vue. C'est un peu sous-coté, Panda-Kra. Ah, la déco des CFR, la fameuse. Je reviens, les amis. Ok, bon, c'est un peu comme le combat d'avant. Le ça, il peut pas vraiment taper le mec qui est rodé, donc il tape un peu. Enfin, il prend ses charges sur les autres. Il va peut-être quand même le choper avec la piqûre d'ailleurs. Est-ce qu'il est taclé par le lapin? Je pense pas. Hein. Non, il est pas taclé par le lapin. Donc le Bouffetou va quand même aller choper le pauvre Eka. Hein, donc bah, il va prendre cher. Ça tape du 1000 hein, un combo comme ça. Hein. Eh, les Kaflip, il est vraiment pas très bien là. Déjà 4000 Vitamax. Ça sent pas bon pour la team Eni, mais ce n'est que le début, donc tout va bien. Parce que là en plus le Kra il est encore porté quoi. Est-ce qu'ils auraient pas eu intérêt à changer l'initiative entre l'Uppermage et l'Eka? Comme ça je sais pas, l'Uppermage le fait tomber. Ah non il joue après, c'est pas ouf. Ah c'est compliqué cette histoire d'initiative. Donc là il est obligé d'aller sur l'Ossa. Bon.
Après, l'Ossa, il a pas beaucoup de rester, hein. Pour le coup, ça descend vite. La tromperie feu. Ils sont un peu obligés de faire ça à chaque fois, c'est-à-dire commencer le focus sur le Kra. Comme ça, le panda, il est obligé de porter le Kra, et après, ils vont sur l'Ossa, bah, comme ça, bah, l'Ossa, il est pas porté, quoi. Hein. C'est un peu le bordel. Bon, on a encore un hypermage haut, donc on aura pas mal de dégâts avec l'hypermage haut. Parce que là, il peut choper l'Ossa assez facilement, je pense. Attends, il va pas le porter, je crois, le Kra, ce tour. Il va porter l'Ossa, il va même le balancer, peut-être. Il va debuff l'érosion de l'Ossa. Très bien. Très bien, très bien. Il va le porter derrière. Donc, un coup, on protège le Kra. Un coup, on protège l'Ossa. C'est un peu l'enfer hein, pour la Team Ennie. Bon, là, il peut le faire tomber. C'est pas le problème. Hein. Il peut polariter. Il peut éclat glacé ou je sais pas quoi. Mais bon, c'est un peu compliqué quand même. Parce que du coup, ils savent jamais qui focus. J'ai l'impression. C'est compliqué. Mais c'est fort Panda en vrai. Hein. Enfin, quand c'est bien joué, les Team Panda, pour couper le focus, c'est vraiment parfait. Hein. Il n'y a pas mieux que ça. Hein. Donc il va sur le Kra, voilà. Mais le Kra, je crois qu'il est plus érodé du coup. Hein. Ah si, ça va, il était encore érodé, donc ça va. Ils n'avaient pas debuff l'érosion, donc tout va bien. C'est quand même pas un tour qui serait inutile. Et en plus, on fait tomber l'Ossa avec la ceinture. Donc ça, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Le Kra n'est pas taclé, par contre. En même temps, il a un mode avec 1 milliard de fuites. Hein. La panneau, comment elle s'appelle? Salvateur. Il a beaucoup de fuites. Ah, enfin une représailles. Je crois que c'est la première représailles des trois combats. Je sais pas pourquoi il l'a lancé jamais. En vrai, il avait peut-être pas l'occasion. Et la tyrannique. Elle est café, puis prend beaucoup de dégâts. Hein. Et en plus, il y a la petite balise pour empêcher de se prendre un coup d'art corrompu. En plus, c'est assez gênant parce que l'ébène va être chiant à placer du coup. Il est limite obligé de mettre un coup d'arc sur la balise pour mettre son ébène en fait. C'est un peu relou. Elle est pas bête cette balise, elle est pas bête. Elle gêne vraiment pas mal l'ennemi quoi. Je crois que c'est ce qui. Voilà, il doit mettre son. Genre une caote, non? Ok, il va préférer tuer le bouffe-tout du coup. Et tu vois, du coup, l'ébène il part à la poubelle quoi, c'est un peu dommage. Hein. Ouais, un ébène à la poubelle, ça fait. Bah, c'est quand même pas ouf. Hein. Est-ce qu'il pouvait faire autrement? Pas trop parce qu'il pouvait pas mettre son lapin là. Parce que sinon, il aurait pu décaler son lapin, mot sélectif et après mettre le coup d'arc, mais bon. Et les cas, il est érodé. Bon, les cas, il est érodé que à 10%, hein, donc c'est pas un truc de fou, mais. Mais quand même, il va se prendre un ébène. Tant pis, ça fait mal, hein, l'Ossa Terre. Hein. 350 le fossile, c'est pas dégueu. En plus, il va mettre un bouffe-tout mélanique qui va l'attirer. Du coup, quand il va l'attirer, ça va rajouter une ligne de dégâts R, parce qu'il y a la flèche tyrannique. Voilà. Du coup, 380 de dégâts. Du coup, les cas, il a que 3500 vita max, 2000 HP. Donc ouais, c'est un peu chaud pour les cas. Après ça va, hein, ça, voilà, il y a le contre-coup, il y a le mode préve, il y a toutes ces conneries, mais bon. Là il faut remettre les deux faces au pile sur le Kra, voilà, très bien. Ça fait assez mal. Donc là, comme d'habitude, bah, le panda il va faire quoi? Il va porter le Kra. Hein. Il va d'ailleurs sûrement stab ce tour-là, je pense. Je pense qu'il va stab ce tour. Je pense que c'est le moment de stab, ouais. Ça va être close encore ce combat. Hein. Bon, de toute façon, c'est la finale, donc c'est un peu normal que les combats soient close, hein, sinon ça serait pas une finale, je pense. Puis en plus, les deux équipes jouent assez bien, donc ça se joue sur des détails. Par contre, le moindre mec qui fail, je pense, c'est directement puni. Hein, je pense que t'as un fail dans le combat, le mec perd direct. Très bien, donc on va pas stabiliser maintenant, apparemment. Très bien, c'est ok. Ok, on va jouer un peu alpha là. On va aller poser l'ébène. Ouais, pas de stabi. Après, c'est vrai que l'hypermage est représailles. Donc en vrai, non, il a bien fait de pas stabi maintenant. J'avais oublié la représailles. Vu qu'il est représailles, il n'y a pas besoin de stabi, c'est tranquille. Faudra faire prochain tour par contre, je pense. Et l'hypermage, il s'amuse pas trop dans ses combats. Hein. Il peut pas trop jouer. Hein. Allez, on va mettre des petites brèches. Peut-être mettre une création, je sais pas s'il joue avec, je pense pas, mais bon. Quoi que peut-être en vrai, je sais pas. Et là, le Kra, il va se faire plaisir. 14 PA. Enfin, ça se trouve, il fait le kill, non? Franchement, je serais pas choqué s'il fait le kill. Hein. Non, il va pas faire le kill, mais l'érosion est là. Et l'érosion est bien là.
Et le kill est vraiment pas loin avec les ébènes derrière. Heureusement, Lenny Gravesa va intervenir. Il reste deux PA. Est-ce qu'ils peuvent peut-être pousser Lenny? Non, peut-être une balise. Voilà, une balise, ok. Bah, Lenny Gravesa va devoir intervenir. Il va devoir bah, mot de jouvence, Prev, s'il a pas déjà lancé la Prev, je sais pas trop. On va aussi mettre des sélectifs apparemment. Pas mal ce petit crat tyrannique, pas mal. Enfin, on avait déjà fait. Enfin. On avait fait une vidéo avec ce mode il y a pas longtemps là sur la chaîne. C'est vraiment pas mal ce build. C'est un des rares builds un peu bi-élément qui est viable en fait, donc c'est cool. Et j'espère justement que la prochaine bêta elle va apporter des plus de modes un peu bi-élément comme ça quoi. C'est toujours close, hein. L'Eka et le Kras sont à peu près au même stade au niveau des HP. Le seul truc, c'est que le panda, il a toujours la stabi. Et la stabi, c'est le cooldown le plus important du combat, limite. Puisque vraiment, ça met le mec safe pendant un tour, il n'y aura aucun débat, genre. Il pourra pas se faire tomber ou quoi, enfin, il sera forcément safe. Ça doit être trop lourd de jouer contre un Nosater tout le temps, t'es tout le temps taclé tous les tours là, c'est super chiant. Et l'Uppermage il est vachement loin et en plus l'Uppermage il a pas les boosts de l'Eneripsa. Donc il a plus de chance d'EK maintenant les Kaflip. Ça va être difficile hein. Ça va être difficile pour les Kaflip de tenir un petit peu dans ce combat là. Il est quasiment sûr d'être mort prochain tour quoi. Là, il devrait rejouer un tour normalement, mais le après, c'est fait, c'est fini pour lui. Hein. Ok, il recule pas mal. Il se met assez loin du panda. Mais bon, le crabe pourra quand même le choper, je pense. Ah oui, il va balancer la balise là-bas ou quoi? Non, il va porter le crash, je pense. Consolation. Et on va pas claquer la stabi. Mais là, je pense qu'ils ont raison. Hein. Ils gardent la stabi le plus longtemps possible. C'est un peu du limit testing, mais c'est vraiment pas mal. La stabi, ils la gardent pour que ce soit vraiment le moment clutch. Parce que là, ils sont pas obligés de la claquer, la stabi. Donc c'est bien, c'est bien. Bon, je pense que l'Uppermage va quand même le faire tomber, là, le crasse ce tour. Ah non, même pas. Tu peux passer sur les HP. Les HP de qui? Genre des deux mecs focus? On a l'Eka qui a genre 2000 HP max et on a le Kra qui a 3000 HP max. C'est un peu la même chose que bon. Le Kra en soi il a pas mal de points de vie mais ça se tombe tellement vite que bon. Mais là c'est vraiment la crise pour les Kaflip. Hein. Parce qu'en plus il n'y a plus beaucoup de cooldown quoi. Il n'y a plus de mot de prêve, il n'y a plus grand chose. Là il est sous chance. C'est la crise. Mais le combat 1 c'était un peu la même situation. Ils avaient réussi à comeback donc c'est pas impossible hein, mais bon. C'est un peu la crise quand même quoi. En plus voilà le mode il a du retrait perdu. Non le mode il est vraiment pas mal. Hein. Le mode Air-feu pardon tyrannique avec le retrait. Parce que là l'Uppermage il a pris. Oh il a pris tellement de raids. Oh, en vrai il a pas eu de chance hein. Gros attends il a pris moins 6 PA. Il a 89 d'esil. Il y a une roulette retrait non? Non il n'y a même pas de roulette retrait ou quoi. Hein. Il a vraiment pas de luck là par contre. Le moins 6p. Alors en vrai, il a de l'esquive, tu vois. S'il avait pas d'esquive, j'aurais fait bon, bah allez, normal. Mais là, le Kra, il a quoi? Il a 100 de retrait, grand maximum, non? Je pense pas qu'il ait bien plus. Hein. Là, je pense c'est un peu unlucky, franchement. Je pense vraiment c'est unlucky. Bon, les Kaflip toujours debout. Donc, mais pour combien de temps? Parce que là, il va être en dégâts augmentés. Et le Kra, il est pas prêt de mourir, en fait. C'est un peu le problème. Là, la map, encore une fois, qu'elle est pas mal pour la Team Panda. Ah là, c'est de plus en plus compliqué là pour la team Any Hooper et Kaflip. Le petit relais qui est gratuit sur le panda. On va jouer très safe, on va pas se commit. De toute façon, il y a les dégâts réduits de la chance d'EK, donc on va pas se prendre la tête. Et on a mis l'ébène sur ce lapin, c'est un peu moche, mais en même temps, c'est pas si moche que ça va sûrement le tuer le lapin. Et le lapin,
Bah, le lapin mort, c'est quand même pas mal pour eux, quoi. Les cafés qui va se prendre pas mal de dégâts de poison en plus au début de son tour. Voilà. Est-ce qu'il est encore sous tyrannique? Ouais, et en plus là, s'il s'engale, il se prend des dégâts de tyrannique en fait, c'est horrible pour lui. Là, s'il s'engale, il se mange des dégâts air. Donc voilà, vous voyez qu'il fait pas s'engale du coup. Bon, en plus, ça lui permet de taper le bouffon, donc c'est mieux de faire un destin, mais. Petit esprit félin, ouais, c'est la crise absolue. Hein. Il va aller se barrer super loin, mais il est en dégâts augmentés. Le petit chaton, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, mais bon, il est full vie, quoi. Hein. Donc là, c'est peut-être le moment où, voilà, ils vont essayer de faire le kill. Est-ce qu'il claque la stabilité maintenant, du coup, ou pas? Il est peut-être même pas obligé hein, de claquer la stabilité, très franchement. Ah, là, c'est trop dur. En fait, l'hypermage haut sur cette map, c'est trop dur. Là, ils auraient peut-être joué R sur l'hypermage. Hein. Ils auraient eu moins de dégâts, mais au moins, ils auraient pu taper plus souvent, quoi. Ok, il a mis l'ébène sur Lenny, très bien. Je sais pas vraiment pourquoi. Peut-être qu'ils se sont dit que dans tous les cas, il était mort, il n'y a pas besoin de mettre l'ébène sur lui. De toute façon, le Kra, il a quoi? Ah, c'est l'Ossa qu'elle a dans le cul, d'accord. Mais le Kra, je pense qu'il va juste acuter absolu, de toute façon. Hein. Ouais, je pense qu'il va acuter absolu, il s'en bat les couilles. Hein. Et après, l'Ossa finira le boulot, hein. Donc le panda il a fait ça pour essayer de gêner les Nirimsa je pense. Alors on va voir ça, il a 15 PA proc Vulbis. Ah ouais, bah là, en fait je sais pas s'il a la portée, mais s'il a la portée c'est terminé. Hein. Est-ce qu'il a la portée? S'il s'avance comme ça je pense qu'il a largement la portée. Hein. Ouais non là il va le fumer, hein. Il y a les dégâts augmentés. On tue carrément le lapin, très bien, je sais pas vraiment pourquoi là on tue le lapin comme ça. Il a peut-être pas la portée alors pour faire d'autres trucs. Ah si voilà, il a la portée, hein, ok. Bon de toute façon dans tous les cas, je pense que l'Ossa fait le kill, il a 10 PM gros. Et je crois qu'il a la relance de la piqûre en plus. 10 PM plus la piqûre, ça va être le kill gratos. Hein. Ah je pense que c'est la fin là. Hein. Ils ont tenté de faire... Il a tenté de faire quoi, Lenny? J'ai même pas vu. Il a tenté de bourriner le panda. Ouais, non, là, je pense que c'est la fin. Hein. Parce qu'en plus, même le Kra, il est pas proche de mourir, quoi. Hein. Il a encore 3000 HP, ça va. Hein. Alors, on va voir s'il arrive à faire le kill, mais je pense que oui, avec les dégâts augmentés, plus les ébènes, ça devrait passer sans problème. Voilà. Bah GG, normalement c'est terminé, bon on sait jamais, hein, tout peut arriver, mais la team Osakra, tu devrais gagner le tournoi. Bon je sais pas c'était quoi le format du tournoi, mais bon je pense que c'était pas un très gros tournoi perso, mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est chill. Et voilà, GG à eux, ils vont gagner, je sais pas ce qu'ils vont gagner, des Kamas, j'en sais rien. Bon c'était propre, hein. Après franchement il n'y avait pas trop de counterplay, hein. C'est assez fort comme compo.